Dorothy Getouba, cette Kenyane, vit avec la passion du 7e art. Après des échecs à des castings en tant qu'actrice, elle crée Spileworks. Sa structure produit des films, des séries dramatiques. Pour sa toute jeune entreprise, Dorothy nourrit de grands rêves. Mais elle doit faire face à l'hésitation des chaînes kenyanes qui ont encore du mal à accompagner de tels projets. L'un des plus grands défis auxquels j'ai vraiment été confrontée, c'est l'entrée sur le marché. Je me rappelle avoir donné mon pilote à une chaîne de télévision et elle s'est assise sur mon pilote pendant environ 14 semaines. Mais j'ai compris que je ne devais pas abandonner, mais continuer à appeler, continuer à demander, continuer à vendre mon concept, mon idée, mon pilote. Je ne pouvais pas abandonner. Pour ses séries Sumu Lapanzi ou encore Le Poison de l'amour, Dorothy a été confrontée à des problèmes financiers. En plus du manque de financement, les femmes dans le cinéma s'exposent à d'autres types de difficultés. Être une femme dans cette industrie, je pense que les producteurs, qu'ils soient hommes ou femmes, ils seront toujours confrontés aux mêmes défis. Nous avons besoin d'argent, nous essayons tous de produire, nous essayons tous de faire du mieux que nous pouvons. Mais pour y arriver, ce sera toujours plus difficile pour la femme. La taxe de la femme, c'est comme ça que je l'appelle. L'industrie cinématographique kenyane pourrait connaître ses heures de gloire et employer des centaines de personnes à l'avenir, selon cette productrice.